Ouais, bah le son c'est pire en pire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet ascenseur? Personne. Oh, plein de combats. Albert. Il avait dit qu'on aurait plein de mails de lui. Au niveau. On va faire quelques combats, puis on ira soigner. D'accord. Ouh, plein de combats, plein d'objets. Je pense qu'il faut passer par la grotte au fond là, et on va sortir par. Voilà. Oh, c'est pas une bonne idée alors. Parce qu'en plus, c'était un homme simple. Ok, des trucs défensifs. Oh, un petit smogogo obscur. Voilà, sûr que je peux le fortress. Ouais, ton type insecte feu. Ronflement. Là, il peut attaquer quand il dort. On va la tirer combo griffe, attends que je fais ah, je sature. Tant que je fais tranche. Ah, petit son combo griffe était pas mal. Hein. Ah, cul bétoquet. Même moi qui m'ai joué défensivement, cul bétoquet. Je le maîtrise pas en fait. Ils ne sont pas très puissants. Voilà. Par contre, j'aurais pas fait tranche et surtout. Pour savoir utiliser Kubitoke, il faut savoir vérifier son adversaire en fait. Mais c'est un truc que je sais pas faire. Est-ce qu'il y a un attaque spéciale, une attaque physique? J'ai du mal à savoir quelle attaque il va faire. On l'a déjà en obscur. Hop, un petit peu d'eau, comme ça il est plus empoisonné. Oui, j'aurais pu l'appeler, c'est vrai. Enfin, il veut mourir. Hein. J'ai envie de le tuer quand même. Voilà. Hé, tu vas le réveiller. Voilà, Teddy ronfle maintenant. Il ronfle fort en plus. Cette fois, on peut le tuer.
met la trouille, il n'y a pas pour faire du prélèvement de l'espace. Ça permettra. Alors, on voit qu'on sera pas ultimé, je commence à voir ça. Malheureusement, je vais aller plus quand je suis fin que quand je suis là. Et comme c'est plus grand fin. Alors, c'est ça que j'aime faire les listes de course. Je vais prendre des bonbons pour le level de ce soir. Bah de hier parce que comme je fais les épisodes à la suite. Ouh c'est dangereux ça. Oh oui ça fait mal. Pour moi, quand on fait les épisodes, j'ai deux jours pour entraîner. Ouais, tu peux réveiller Teddy. Bien sûr, on finit tranquillement. Ah, si. Oh là, tu l'as réveillé. Tu veux plus faire semblant, Teddy. Hein. Elle fait pas si mal que ça, sa prénésie. Hein. Attends, elle bombe bien. Voilà, je pense que tu dis à monter de niveau dans ce combat. Hein. On verra bien. Tu as le doigt sur B. Ah. B. Non mais. Tu restes un Teddy. Je veux pas un gros Teddy. Bah ouais. Je pensais que t'étais un obstacle. Ouh, il a l'air intéressant ce objet. Pourquoi mettre autant de défense devant? Ah, tant qu'on a le PC, on va regarder si on n'a pas des options. Ça fait à peine une heure que j'ai fait le club d'avant. Je sais déjà plus si j'en ai capturé. Mais non, pas quitter. Ah, on se pousse dedans, ok. Ouais, et demain on se refait un petit casino. Comme ça on avance dans le casino aussi. On va prendre cet objet là. Une hyper potion. On va ranger les Pokémon dans le bon ordre. Crush après. Et je le grave, c'est toi que je vais battre. Et là, la glace va faire bien.
Grâce à la glace éternelle. Et les gars sont encore. Ouais, j'ai des souvenirs de trucs qui se sont passés il y a des années dans le jeu. Et un simple combat qui s'est passé il y a une heure, je me rappelle plus. Le mi-vol. Ah. C'est pour ça que ton pote il s'est encore en vie. On sait qu'il va être plus fort. Il va sûrement nous faire un giga sanctu sur toute sa brute. Ah, c'est ça. Ok. Allez, je lui go. Tu peux le tuer. Bien. C'est bon notre Julio. Hein. Ils ont plus fait minus comme Megapi et Posipi, non? Là, sa glace fait plus mal. Je pense, hein. Vraiment, je devrais le tuer. Ah non. Il ne se réalisera pas. Il sera mort avant. C'est pas une attaque, ça. Ça baisse la vie. Enfin, ça baisse l'attaque, ouais. Ah non, ça monte l'attaque. Ok. Ah, mais si t'es mort, voilà quoi. Elle se stab à la fin, elle se place à la fin du combat. Hop là. Oh. Ah, il est comme 11h quoi. J'ai même pas lu ce qu'elle a dit. Ah. Bah forcément, il y a des plafonds qu'il faut qu'ils descendent. Oh, il m'a ralenti juste un petit peu quoi. Encore un smog de go. Normalement, une attaque vol sur un type sol, c'est efficace. Et faut plutôt faire ça. Ça sur toi, et ça sur les deux. Normalement, ça devrait tuer Kamiru. Voilà. Peut-être que Julio peut arriver à ce nouveau coup. Ok, deux poisons. Bon, on va refaire aéropic sur Mogo. Bien qu'il a sa place sur totalement. Je vais être empoisonné. Ah, il est gelé. Une glace de mec. Oh, j'ai retourné dedans. Ah, j'aurais dû mourir. C'est un Pokémon obscur. Comment tu fais ma go quoi. Et je fais des dégâts à retournement en même temps.
Non, elle gueule pas. Ouh, ça sent l'obscur ça. Ouais. Ah, y'a des... Ah, ça a des... On va faire appel à Chapignon. Faut vraiment que je monte Chapignon. C'est lui qui a pu s'entraîner après l'épisode. Rage noire. Ça va faire mal. Oui, c'est un type feu que j'ai en face, mais il fait que l'attaque noire. Donc c'est de toute façon super efficace. Hop, allez, on voit ton deuxième obscur. On l'a compris, vous envoyez par deux. Allez, montez-nous 43. Et vol Carapod. Deux types feu. Ok. Pokémon obscur égale soin après le combat. Parce qu'en pire j'aurais fait un surf et ça aurait été bon. Qu'est-ce que ça fait souffler là? Oh merde! Allez, faut qu'il arrive hein. Oh, plus vite quand même. Parasport, je ne pas. Bon. Petit bug attaque. C'est un type défensif. Il risque rien. Je pense que tu lui fais vivre à quoi il s'en prend. Faites pas de chute noire. Oh, il est niveau 40, Galopa. Ah, faut que je soigne. Oh, il va mourir de la pluie, là. J'arrive à fuir Galopa. Pas tu soignes. Je suis pas sûr qu'il tienne la prochaine attaque. Ouais, il y a des gros deux quand même. Ah, mais ils attaquent à deux. Voilà, le mec n'est pas supérieur. Il fait mal la rage noire quand même. Pour moi, il en tape qu'un. Ah, quoi. Et toi. Ok, tu es un parfait. Ça aurait pas lui faire trop mal. Parfait. Ah. C'est rare que les deux savent paralyser en même temps. C'est toujours les chronos. Hein. Bon,
bon, j'aurais bien aimé les employer contre les boss en fait. Oui, il faut encore attaquer. Oh, en plus, on perd en défense. C'est beaucoup ou pas? Ah, c'est beaucoup. Oui, oui. Quoi? Je suis pas très gaffe? Oui. Non, je suis pas très gaffe. Donc ça n'avait pas été dit. Le problème des Zorners, c'est qu'elles sont belles, hein. Mais c'est que des Pokéballs en fait. Ils ont fait trop de parties blanches, ils ont fait une Pokéball et voilà quoi. Pour m'en vendre une erreur. Allez, reste dedans. Voilà. Alors, c'est pas le carapace le plus dur à avoir. Voilà, avec sa défense. Hein. Il fait mal, hein. Déjà, on peut pas le rendormir. On va tenter le chrono. J'ai remarqué que le Z de ronflement c'était le même que celui de Dragon Ball Z. Plein qu'il fait ça maintenant. Il y a les mêmes pics et tout. Oh, il l'a pas quand quand il ronfle, quand il dort normalement. Non, pas avec. Il a bien embêté, mais quand même. Ouais, pas d'objet. Dommage. Il nous faudrait quoi là? Je sais pas. J'ai le combat qui tape la glace, la glace qui tape le dragon et le vol qui tape l'insecte. Après je peux changer aussi hein. Bon, on va essayer d'en faire un petit dernier. On va prendre l'objet avant. On est solide en fait. C'est parti pour me soigner là-bas. Et si on allait purifier le Pokémon avant? Ça c'est fait. Où tu vas? Ah c'est vrai. Le dossier qui déconne. Je vais jouer la croix. On se retrouvera devant cette machine là. Pas demain parce que demain on fait un petit casino. Bah après demain on reviendra. On
pour voir directement ici. Quoi. Je m'entraînerai et sauvegarderai dans... près de la machine de soins. Il y a encore les autres disques à faire aussi. J'aurais bien aimé les faire dans l'ordre. Après, il va peut-être les vendre. Hein. Et à la limite, si je marche et que je vois que le disco y apparaît, et bah demain on va enfin le combattre. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il apparaisse autre part que Kirito. Ah, qui c'est qui s'est ouvert? Kinefix. Ok, on a deux ouvreurs. Si c'est peut-être accès de là, je pourrais faire un 100%. Elle est longue la route quand même. Je suis sûr qu'un des passages en bas va m'amener là et je dois recommencer la route. Allez, au labo. Eh, le son va mieux. Légèrement. Ah, même deux. Trois même. Oh bah, ils avancent bien quand même. Il y en a deux qu'on vient de mettre dedans. Alors, qu'est-ce qu'il reprend, Brian? Ok, ça lui ressemble bien. Moi je pense que les Mimiki c'est des brunettes. Ils sont plus dans un costume en fait. Hein. Brunette, si tu ouvres sa tirette, il y a un Pokémon dedans. Contrôle une poupée en fait. Je pense qu'un truc d'un Pokédex qui dit qu'on peut pas ouvrir la tirette de. Le brunet. Voler, ok. Allez, le troisième. Le troisième. Oui, pas Ténéfix, forcément. Je ferais mal de Ténéfix dans. Sous Wiki en fait. S'il est vraiment un Pokémon en tout de. Du costume, ce serait Brunet en fait. Ou Polychambre. Bah non, pas mal. Écoute, non. Ok. Le ruban, pas de nom. Allez. Ah, c'est qu'on avance, hein.
Bon, demain, un petit coup de casino pour qu'on avance un petit peu dans cette quête annexe là. Après, on retourne à Lille.